cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission qu'on remet en pile là, émission bien-être et beauté. Une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission bien-être et beauté, chaque semaine nous toujours porter belle émission pour vous, sous demande, sous commande, j'en ouvre, sous suggestion nous. Ça fait jeudi à nous venir à une belle émission pour vous, pour nous capables de dire, pas dire plus belle, même souhaiter que le plus belle vraiment. Et qui concerne petit monde, grand monde, fille, con garçon. Donc, nous avons bien-être, nous avons traité sujet qui est capable de faire des problèmes bien-être et qui baille des problèmes bien-être. Mais avant de présenter nos invités, qui passent de présentation, nous avons commencé par la pensée de la semaine. N'oublie surtout pas que les efforts paient toujours et c'est généralement pile à l'heure. Donc, ça veut dire que nous devons faire effort et si ça fait jeudi en émission, ça, nous avons que l'on fait effort, la ou à payer et faire à payant. Donc pour nous parler avec pour nous présenter invité à nous gagne docteur Dieudonné Jean-Baptiste qui sont habitués dans l'émission bien-être et beauté. Aujourd'hui nous allons parler de prévention du cancer en général. Donc qui ça nous capable faire pour nous capable prévenir le cancer. Docteur Dieudonné, nous bien content regagner dans l'émission, bienvenue. Merci Léonie, c'est un plaisir de m'avoir avec vous et puis je voulais saluer tout le monde qui regardait belle émission ça régulièrement. Donc docteur Dieudonné, au passé de présentation mais gen moun gen c'est première émission y a regarder dans bien-être et beauté, c'est qui est docteur Dieudonné? Comme son médecin, d'abord spécialisé en santé publique et puis par la suite longue histoire courte état santé mène me faire recherche dans monde naturel là. Et puis me vinn tomber sur une forme médecine qui relève médecine fonctionnelle. Médecine fonctionnelle, ça étrange pour monde qui fait cap regarder émission en tout. Médecine fonctionnelle c'est une approche de la médecine qui surtout intéressé pour maladie chronique. Ça veut dire une maladie elle rentre sur vous et croise puis elle librement de sortir. Tant que diabète, hypertension, etc. Lui même alors que la médecine conventionnelle alors que maladie ça il faut vivre avec pour le reste de ta vie. Mais dans la médecine fonctionnelle nous croit que maladie est rentrée depuis elle est rentrée, elle toujours une porte pour rentrer. Yo ca sorti. Yo ca sorti. Donc c'est ça qui fait que nous même nous pas croire que une maladie qui est véritablement incurable. Et nous utiliser des approches naturelles pour aller chercher cause maladie. Et cause en général, il y a une habitude de vie nous et avec notre environnement. Donc c'est ça médecine fonctionnelle là. En fait, lors de faire médecine fonctionnelle, on focus en pile, on concentre en pile sur ça où même moi fait ici dans Léonie. Ça veut dire le bien-être. Le bien-être. Le bien-être. Ça veut dire tant qu'aujourd'hui on recevoir un monsieur dans clinique, moi il dit pas gain pièce problème. Même vle sentime bien. Oui. Et là, malaise. On garantit ou l'homme te fait finir l'école de médecine. Si on monte te dit ça, on t'a grand pile problème. Oui. Parce que former nous pour nous apprendre à chercher maladie et non pas pour nous faire promotion la santé et non pas pour nous faire promotion bien-être. Bien-être. Docteur Dieudonné, parler de cancer et ça qui vient à l'idée effectivement son chanter un groupe haïtien fait. Qui a parlé de l'amour dans une relation qui est difficile. Et puis dit, l'amour, ça, c'est un cancer qui a mené nous en battre. Wow. Tout le monde qui connaît la musique, là, ouais, dès que la musique m'a parlé. Okay. Donc, nous avons fait liaison, cancer égale en battre. Yeah. Qui soit dit de ça en termes de comme nous avons parlé de ça? Vous posez une petite question courte, mais qui a mené une longue réponse. Ouais. Premièrement, on a dit brièvement qui ça cancer. Alors, ou konnen kon nou fè un paquet avec un paquet de unité que les cellules. Mais gen yon situation privé qui fait que yon cellule perdu caractéristique qu'elle te gagne et puis il vient tourner tant qu'yon délinquant dans village là. Ouais. Et délinquant ça li fait gang, la police pas arrivé n'ta ka di maîtriser et puis non seulement le fait gang côté lié à li bail problème, mais il quand même rivé voyer satellite gang dans l'autre partie dans ville là et puis créer vraiment la pagaille.
jusqu'à ce que... On a parlé de gang, on parle, par exemple, image, ça me bien aimé l'image là. Dans la définition cancer, là, on parle de comme si la police pas arrivée de maîtriser, on parle de défense corps. Système défense corps, yes. pas arrivé à maîtriser. Donc, les vinyles font la pagaille et puis en fin de compte, jusqu'à ce que les écrasent la ville là. Mais comment on te fait venir à l'existence? Ça, c'est une grosse question que nous allons discuter dans la conférence que nous avons fait. Oui. Et le dimanche 25. Parce que nous pas fait avec gang là, nous pas fait avec gang là. Ça y a remarqué c'est que tout être qui gagne en pile cellule, ou il veut joindre mode des autres ça y a qui fait de temps en temps. Même la caille bête surtout. Même la caille bête oui. Ah OK. Mais cependant gagne bête yo pas gagne autant que nous parce que nous tellement fait des gars. Oui. Nous tellement fait des gars. Parce que bête yo était dans rien que yo. C'est ça et puis yo ah, yo pas vivre dans un monde aussi toxique que nous à moins que nous mettez yo là-dedans. OK. Mais autrement yo pas vraiment dans situation avec nous. Gain plusieurs théories sur question comment on cellule cancéreuse fait arriver. Oui, ça est important. Et ça est tellement important pour un monde comprendre ni. Mais si on prend sa médecine conventionnelle là fait jusqu'à présent je dis, yo croit que problème dans sorti dans ça yo relé génétique là. Ça veut dire ou gain cellule là et puis cellule là gagne un élément que yo relé oncogène. Qui arrive faire une perturbation là-dedans que vous n'avez pas expliqué. Et le résultat, c'est que cellule là vient à multiplier, elle vient changer de caractéristiques, elle ne peut pas mourir, et puis elle peut envoyer des missiles, plusieurs parties dans le corps, etc. Donc, c'est un ensemble de caractéristiques que cellule là gagne. Il y a une longue histoire qui mène dans la théorie ça. Et la théorie ça a été un dogme, je dis, dans le monde médical là. Cependant, en 1924, il y a un chercheur, médecin, chimiste allemand qui relait Otto Warburg. Monsieur était fait lui-même une longue histoire, mais monsieur était voulu pour la vie lui. Son excellent esprit n'est ça été. Et mais monsieur était voulu pour la vie lui. Ça il était voulu faire comme contribution, c'est joindre cause cancer. Joindre cause. Et c'est finalement déjeuner. Lui monsieur venait le dit le ça yo pas de fin comprendre une série de bail dans biologie cellule mais monsieur était déjà venu avec une hypothèse il dit toute recherche qui fait montrer que cancer sorti dans un problème dans respiration cellule là donc il dit que ou gen doit avoir toute l'autre bagaille qui vient après ou gen doit avoir virus qui cause cancer ou gen doit avoir l'autre élément chimique qui cause cancer mais ça a commencé dans machinerie qui responsable respiration cellule là. Et ces machines, ça y aurait les mitochondries que nous avons étudiées dans la biologie cellulaire. Malgré que M. T. fait une découverte énorme, c'est lui-même qui est venu avec l'idée que il voit que cellule cancéreuse a une propriété. C'est que l'en présence d'oxygène, que l'y en absence d'oxygène, il n'y a pas qu'à utiliser l'oxygène pour produire l'énergie, même genre avec l'autre cellule, il fermente. Ça, c'est, monsieur dit, ça c'est Mac Fabrique, cellule cancéreuse. Il est d'accord avec ça. Il a bah, mis un prix Nobel pour ça. Je suis d'accord. Yeah, parce mais... que pas une autre bail pour contredire. Non, non. Mais il a fini, il a méprisé la théorie. OK. Yo, et c'est qu'on y a, en fin de compte, après un ensemble de recherches qui fait, je dis, hein, théorie, ça, c'est lui-même qui bail espoir dans la question prévention cancer. Parce que là où quoi son maladie génétique liée, aurait été même genre avec un gros docteur qui c'est monsieur que tu soyez Steve Jobs monsieur relé David Agus monsieur dit cancer son bagage nous pas comprendre là-dedans alors son gros expert si nous le soyez Steve Jobs vous comprendre c'est pas n'importe qui et monsieur dit c'est juste voyez wash sous les espérer que n'a besoin un traitement qui marche comme mais il si, pas comprendre c'est combattre chaque symptôme ou bien c'est qui ça bon yo aller tout à l'heure si vous voulez qu'on comment on série de bail venir comment par exemple nous faire une chimiothérapie comment ça a commencé ça qu'a montré comment c'est wash n'a voyez mais nous pas comprendre et pas pour tout comprendre mécanisme là bien et puis aller ou l'attaquer un côté parce qu'on comprendre cause là et puis on comprendre que on capable agir tel genre et puis on pas tel effet non mais c'est pas parce que tu es venu avec l'idée que cancer sont maladie génétique qui fait que depuis un monde qui a un cancer, bon, pas qu'à faire rien pour lui. Parce que j'ai toujours dit que la science pas combattre génétique. Bon, vous tout comprenez, tout quoi ça, mais il fait un pile recherche. En décembre 1971, bah qu'on est grand pile monde
qui a coûté la Port-au-Prince pour fête. 71. Yeah. Port-au-Prince. Ou même tout. Un grand président américain, Richard Nixon, a déclaré la guerre à cancer. Mm-hmm. C'est tout de suite après qu'il a fini de mettre un Américain sur la Lune. Donc, il a dit, monsieur lui-même, si Kennedy a mis un Américain sur la Lune, lui-même livré pour contribution par l'humanité, c'est guérir cancer. Jouer une solution cancer. Mm-hmm. Et puis, monsieur a déclaré la guerre au cancer. Mm-hmm. Il dit financement pour recherche sur cancer illimité. Quoi me sauver? 50 ans plus tard, plus de $200,000 investis dans la recherche plus tard, augmentation survie dans la question cancer, les minimes. Qui fait que il y a quelques critiques qui disent que la situation n'a pas changé. Argenté, il y a 50 ans. Ça veut dire même si vous faites tout ça, ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment arrivé à marcher. Et c'est ça qui fait que les gens qui soient Steve Jobs ont dit, bon, en fait, nous ne comprenons pas. Cependant, il y a un ensemble de chercheurs qui n'ont pas blagué ça. Il y a un ami auto-bug qui a continué. Il a formé un monde, ça a continué. Après 30 ans, le monde a travaillé dans John Lopskin, Lirette Peterson. Monsieur est arrivé avec une série d'étapes. Et puis, il y a un autre chercheur dans Boston University. Qui est Thomas Seyfried, monsieur ramassé tout bas ça en 2012 il sorti un livre pour proposer une autre théorie qui chita sur ça Otto Warburg t'a identifié qui contraire avec ça t'es... non qui contraire avec question génétique là l'idée c'est que c'est respiration cellulaire qui gagne problème il est d'accord sur ça non kounia mais ça sont théories qui a monté théorie dominante dans la médecine conventionnelle là sont montées sur site American Cancer Association, oui. Après, le cancer, c'est une maladie génétique. Sauf pour un livre biologie, le cancer, c'est une maladie génétique. Oui. Mais cependant, je dis, il y a une preuve scientifique qui montre que c'est une maladie d'abord métabolique et changement qui fait dans le chromosome, la multiplication que cellule-là vient à faire, c'est un bagage qui vient après que un problème dans la respiration cellule. Non, mais bon, c'est un bagage. Est-ce que ce n'est pas un problème métabolique qui a été comme facteur de risque? Mais ce n'est pas la cause principale, c'est pas ça? Oh, mais Kounia, c'est la cause principale. C'est la cause principale? Oui. Yeah. Ils ont fait des études en fait, qui montrent oh, ça? Oui, yeah. C'est ça que Otto-Warburg a dit. Il a dit que tout le monde est venu, mais la principale cause, là, c'est la respiration cellulaire. Donc ça veut dire, si on parle dans le langage que les gens qui font biologie à comprendre, c'est une machine qui produit énergie. Qui est les mitochondries. Lui-même, il pas fonctionné bien. Et l'aile pas fonctionné bien, il mène une cascade de phénomènes qui mène à cancer. Mais s'il vous plaît, c'est pas seulement à cancer le mène. Oui. Presque toute maladie chronique a un problème de mitochondries. Comme si on a parlé de hypertension, on a parlé de diabète. Tout gagne un minimum en certains les problèmes articulaires aussi. Tout gagne une capacité, un problème de production d'énergie à un niveau ou un autre. Et c'est surtout maladie cardiovasculaire. Et on pourrait plus organes intéressés à gagner mitochondries là-dedans, parce que chaque cellule gagne un paquet de mitochondries jusqu'à 2000. C'est seulement un globule rouge qui peut gagner. Mais après ça, toute cellule ça y a gagné en pile mitochondries et c'est ça qui produit énergie. En termes pour un monde qui parle de médecine, vous comprenez? Qui est cancéreux? Et puis après, on a proposé pour nous prendre un type de cancer, et puis qui est-ce qu'on fait pour ne pas guérir le cancer, pour faire la prévention? Et si on guérit, qui ça a fait? Alors? En termes vulgaires, on nous dit que tout bagaille qui est contrarié, respiration cellule. Bon, ça, c'est un bagaille qui n'est pas tellement clair, mais c'est que cellule, pendant que la respire, il n'y a pas même cas où ça le fait, l'a dit. Mais son petit dans corps, petit dans corps, qui a fonctionné et qui a vivre. Mais le coup, il y a lui-même, il n'y a pas qu'à produire énergie, il n'y a pas qu'à utiliser glucose, il n'y a pas qu'à prendre glucose, oxygène pour produire énergie, et puis il n'y a pas qu'à utiliser graisse, il utilise un autre moyen pour produire, et ça amène à cancer. Et là, il y a un cancer, cellule, il fou. Yo multiplié, yo fait masse, yo fait gang, yo voyé missile et puis yo attaqué tout corps et ça qui mène à tout désagrément à la mort. Donc, et réponse non c'est que jusqu'on y a nous pas gain traitement pour cancer. Quel que soit cancer là, méthode que médecine conventionnelle l'a utilisé, puis plus c'est chirurgie. Retirer masse là,
le chirurgie. Chirurgie. Deuxièmement, c'est radiothérapie, ou irradier masse là. Mais moi, je m'avoue, et en plus, l'autre monde connaît que chirurgie, hein, les cas causés, ah, pas chirurgie, hein, radiation causée cancer. Et puis, chimiothérapie, même, c'est pas parler. Les causes cancer tout? C'est mettre poison dans le commun. Ou besoin de classe histoire, comment chimiothérapie fait paraître? Tout bien, 3 minutes. Ok, fais ça. Ok. Si vous avez 3 minutes, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a un gaz chimique qui a tué en pile monde massivement. Il y a les moutardes. Deux parties adverses, les Allemands et les Alliés, ils étaient d'accord que ils pas pu utiliser gaz moutarde. Mais cependant, les Alliés ont gagné un tank gaz moutarde disposé pour attaquer si nécessaire. Les Allemands ont surpris dans un port. On port en Italie que les Bari, boum, et puis gaz éclaté. Et puis gaz attaqué à soldats alliés. Quand y a voyez un expert, les experts l'arrivent dans le monde qui mourit, ils prennent des parties. Et puis la lave, ils arrivent, il y a deux pharmaciens qui étudient, ils disent, oups, ils ont vu que il y a des gens qui ont un cancer, et puis le cancer a diminué. Oh, et puis quand ils ont décidé d'étudier le gaz moutarde, ils ont pris le gaz moutarde, ils ont pris un rat qui a un cancer. Ils ont saisi le cancer. Oh, quand il y a des gens qui ont une maladie Hodgkin, un cancer dans le sang, et puis quand ils ont dit, oh, ils ont convaincu le docteur, pour le docteur, il a un gaz à l'étonnement de tout le monde. Gaz poison, rétrécit le cancer. C'est chargé. Et puis, c'est même ça qu'ils ont fait chimio. C'est comme ça la chimiothérapie commencé. C'était la première chimiothérapie. En fin de compte, ce qui s'est passé, un poison qui attaquait les cellules qui multiplient rapidement. Et puis, comme ça, on est capable de ralentir. Là. Et c'est ça la chimiothérapie. Donc. Pas de commentaire. On a dit no comment. En anglais. En français. En anglais, no comment. Nous avons proposé de nous parler de type cancer. En gros. Oui. Et puis après ça, ce qui est plus intéressé, nous, c'est prévention. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour ne pas arriver là? C'est ça. La proposition est tournée. Mes amis, attendez, une bonne nouvelle. Centre Akalouvi, l'école cosmétologie, dans le niveau international. Dans le Centre Akalouvi, l'école cosmétologie, et stage pratique dans le pays à travers les États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passent jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques 1er, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Akalouvi l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, cheveux se fiaten? Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centre Akalouvi. Gamme produits Centre Akalouvi bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si vous avez un grand monde qui a servi avec vous. Si cheveux rabonnés, vous ne pas prendre un permanent, vous êtes tout calé, vous ne pas belle, vous faites chit, vous ne pas fourni, vous avez cap. Exigez produits Centre Akalouvi dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi à produits Centre Akalouvi. Relais Centre Akalouvi dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centre Akalouvi pour une chevelure à fière allure. Cheveux ou cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission bien-être et beauté. C'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sous bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 p.m. Relais Centre Akalouvi dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté, pour être belle et en santé. Nous tournons après pause. Pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7 h.m., chaque dimanche à 2 h.m., chaque mardi à 8 h.m. Émission Bien-être et Beauté, supportée par Centre Akalouvi de traitement capillaire,
Centraca produit pour les cheveux, Centraca école cosmétologie standard international. Nouveauté dans l'école là, ou gen doit décider apprendre ça vle qui élément vle dans cosmétologie. Est-ce que c'est coiffure besoin faire? Vin joindre nous. N'a fait un cours coiffure spécial pour. Est-ce que c'est défrisant ou besoin qu'on mette comme si ça nous relait permanent dans langage vulgaire là ou venir n'a bon formation spéciale pour ça vle faire. Ou gen doit pas décider pour une formation complète, mais on ca décider prendre des séquences. Comme ça, nous sommes capables de faire ça pour vous. Donc, c'est sans problème. Donc, vous êtes capable de venir dans le centre ACA pour venir apprendre et partir vous voulez dans la cosmétologie. Mais si vous voulez une formation complète, vous êtes capable de passer tout dans le centre ACA. Et la nouvelle session pour la formation, ça, c'est octobre prochain. Donc, et puis, il y a un cours week-end pour les gens qui n'ont pas de temps. Et puis, il y a deux séminaires qui sont programmés. 29 mars, séminaire sur maquillage. Nous avons un expert aux États-Unis qui fait pour passer dans le centre ACA pour passer payer, pour nous faire réservation. Et le même jour, nous avons un certificat, un document pratique. Son formation vraiment, l'offre finie là-dedans, nous sommes capables d'ouvrir sans tout, capables de travailler, capables de faire sauver avec elle, parce que son formation, toute une journée pratique. Séminaire là, il n'est pas cher. Il est dans 31 53 55 39 ou bien dans 43 06 42 85 ou bien passer dans Delma 31 rue Jacques Premier. Tout prestation tap tap là, nous ouvrons chaque jour excepté samedi 8h 5h. Jodi à l'émission, on a parlé de cancer et dans première partie on a parlé de qui ça cancer là hier, comment on fait venir aller, comment vraiment pile étude faite sur lui. Pour dans deuxième partie, on va demander invité nous qui c'est docteur Dieudonné Jean-Baptiste, médecin qui est un spécialiste en santé publique et qu'on y a la pratiquer médecine fonctionnelle. Docteur Jean-Baptiste. Merci. Et type cancer yo qui plus courant pratiquement parce que en pile nous pas non alors pour aller parler de type cancer gain façon qu'à regarder qui côté localisé encore. Oui exactement, c'est de ça. N'importe côté. Si vous prenez ça plus courant, la caille mesdames yo c'est sein. La caille garçon yo c'est prostate. Ensuite, soit là, quand il y a un utérus, et puis après ça, cancer digestif, etc. Mais on est que le cancer est localisé n'importe côté. Oui, parce que il y a des côtés maintenant des gens qui ont un cancer, c'est un chargé, ou nous ne pouvons pas attendre longtemps. Alors, mais mon cancer qui est difficile pour tout le monde, il y a plus ou moins courant, un cancer du vagin. Alors, je suis venu récemment dans la clinique. Là. Non, mais ce n'est pas autant de temps que j'entends des cancers. Non, non. Colmatrice, là, non, avec ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas même bagage. Mais ça arrive aujourd'hui. Il faut nous dire, si vous soit allé dans 1900, un monde sur 20 a un cancer environ. Un monde sur 20. Si vous arrivez en l'an 2 maintenant aux États-Unis, vous estimez que un garçon sur 2 et un fils sur 3 a un cancer dans la ville. C'est chargé. Ça veut dire gros cause, oui, ça veut dire. Son véritable épidémie. Imaginez que chaque jour aux États-Unis, il y a environ 1600 personnes qui mourent de cancer chaque jour. Imaginez combien ça fait. Combien d'avions que tu as pour craser, qui t'a pour boire 1600 personnes. C'est catastrophe, ça qui arrive chaque jour. Donc, ce n'est pas une maladie. Il joue, mais c'est Jean nous t'a tout à l'heure. Ça qui est bien, c'est que pas gagné véritablement de traitement. Mais bon, l'autre bail qui arrive, ça a ruiné la famille. La famille. Et puis, moun nan, comme si gen des cancers et tout, moun nan revenu dans état comme si estime de soi, il n'y a pas qu'à gagner ça encore. Ah non. Et puis, c'est. En fait, depuis qu'on dit cancer, moun nan, ouais, l'an mort, j'en ai dit là. Oui. Mais en plus, c'est que ça ruine la famille. Et yon nan ba. C'est pas ce matin de musique, oui, qui fait l'homme dit ça aussi. L'homme ça son cancer qui a mené nous en bas. Oui, je ne m'attendais là. Je m'attendais ça. Et musique locale, en tout cas. Musique locale, non, c'est intéressant. Ouais. Mais l'idée, c'est que le cancer n'est pas obligé de nous en battre, nécessairement. Qui ça? Ok. Moi-même, j'ai besoin de deux bagailles. Qu'est-ce que ça nous relève dans la médecine et prévention primaire et qu'est-ce que ça relève prévention secondaire. Pour les gens qui parlent dans le même domaine ensemble avec nous, nous disons prévention primaire, là, on ne peut pas gagner un problème. Là. Non. Ou faire effort. Pour que le problème n'a pas arrivé. Pour faire pas arriver. C'est ça, nous parlons de prévention primaire. C'est de ça que nous avons là. Et puis après ça, si nous avons déjà un cancer, qui ça le fait? En termes de prévention secondaire. Et ça fait comme si je me parlé de penser me deviner avec là. Effort, l'on fait effort, il paye quand même et la paye à temps. Donc, quand prévention, même. Prévention là. Primaire. Qui ça pour moun fait pour ne pas arriver dans le cancer là? Alors, je suis allé en 1900, pas de grand pile moun qui a un cancer. OK? Bon, relativement. En nous, est-ce que nous avons tourné un petit peu, recréer l'environnement 1900? Quel que soit le monde qui a gardé la question du cancer,
li pral wè que gen série d'éléments qui étranger à corps là et c'est eux même qui entraîner perturbation qui mener à cancer. Mm-hmm. M'pa rien même parler de ça, m'pa konn pour qui ça parce que m'pense tout monde konn ça. Qui ça? Cigarette. Pour moi même pas comprendre comment moun fa fumer toujours. Non, même moun k'ap fumer on connaît ça. Yo bon, yo pa même connaît. C'est ça qui. Pour connaît konn pour ça parce que yo dit que au fumer que au pas fumer on va mourir quand même. Et moun choisi déjà comment pour mourir. D'accord, mais moun sa, ça me paraît m'avait ça le dit hein. Mm-hmm. C'est que li pa met tête li. Lèl vin gen maladie, a, c'est pas li même qui pral prend toute secousse. Oui, li pa même moun yo. Li gen tout moun à côté qui pral prend secousse ensemble avec. OK. C'est ça qui fait cigarette. Mm-hmm. En plus de la fumée hein. Mm-hmm. Yo met un paquet de produits chimiques là-dedans. Qui produits chimiques ça yo, c'est ça yo relé oncogène. Mm-hmm. Un grain de cigarette gen environ même une quarantaine d'oncogènes, de produits chimiques qui capable causer cancer. Mm-hmm. Ça c'est yon bagay. Mm-hmm. Bagay ki pi courant encore c'est alcool. Okay. Tout bagay ça mais là on prend n'importe qui produit chimique qui pas te gen rien pour le avec nous. Mhm. Ça veut dire tout produit chimique que on vient manger colorant yo et sucre. Mm-hmm. Surtout vieux sucre qui relé fructose, high fructose corn syrup qu'on joint dans toute boisson cola yo. Mm-hmm. Parce que tu as l'air songer ça ne te dit. Mhm. Nous te dit que cellule cancéreuse là, il est capable d'utiliser sucre, mm-hmm. mais le fermenter lui. Mm-hmm. N'importe bagaille qui mène à dommage dans mitochondrie hein, mm-hmm. a fait ça. On dit on prend deux bagaille simple, l'eau pas dormi. OK, ça ca fait ça. Oh bien sûr, ça va entraver production d'énergie. Wow. L'eau pas fait exercice physique. Yeah. En fait, on pral voir que toute bagaille qu'on va recommander moun yo faire. La santé et bien-être mm-hmm. pour aller protéger mon yo ultimement. Même pas garantie que vous faites, oui. Non, bon, ou même ou pas garantie rien. C'est ce qu'on a fait, c'est fait. Passager information. Ouais. C'est même moi-même dans PHI, nous faisons effort pour nous partager information, mm-hmm. pour nous capable inspirer mon yo, bayo, mm-hmm. faire ou prendre conscience, mm-hmm. et puis bayo information pour que yo agisse ou li. Mm-hmm. C'est là seulement yo qu'arrivé, mm-hmm. joindre résultat. Qui ça yon moun ka fè pour pas gagner cancer vivre naturellement. Et si ou ta jwenn moun ki di ou konsa bon pa bwe m'pa fime et bon m konnen moun ki te fè cancer gen moun k ap di sa. M konnen moun ki fè cancer pa ni bwe ni fime. Ah non, mais c'est ça me te dit tout à l'heure. Oui. Ou gen des milliers de produits chimiques que yo mette chaque année dehors aux États-Unis. Et produits ça yo rentre dans manger nou. Yo préservatif, yo colorant. Mm-hmm. Yo édulcorant. Mm-hmm. Yo toute qualité. Mm-hmm. Pas même pas on prend par exemple manger qui dans canette yo. OK. Tout sac dans canette. En dans canette là. Mhm. Il y a un revêtement qui fait avec un bail qui est le bisphénol A, BPA. Mhm. Mais c'est un carcinogène lié. Il dérange système hormonaux et il provoque cancer. On te bail un petit exemple encore que moi monde fait qu'on y a. Mm-hmm. Par contre, si vous connaissez les gens qui font popcorn dans le micro-ondes, oui. Oh, poison. C'est ça parce que c'est plus facile. Plus facile. Il est propre, il est belle. C'est ça. Donc, oui. Mais ça, c'est boisson gazeuse. Moi, je dis poison gazeuse. Poison gazeuse. Vous gagnez un colorant là-dedans, vous gagnez une quantité de sucre là-dedans. Yo. Et, on nous a dit, ça, vous voulez, le sucre, c'est le principal aliment pour cellules cancéreuses. Si nous focus on ticras plus en détail sur question manger. Oui, manger. Comment on fait? Oh, on l'autre élément encore. Faut me dire même si on t'a dit la question manger. Mm-hmm. Ou t'entends parler de on bah y aurait les aliments modifiés génétiquement. Oui. OGM. OGM, oui. Alors. Tout le monde a mon vidéo, me dit, ah ben d'abord vous le bah, me dit, ah ben ou bien qu'on est, qui a expliqué que mon Monsanto. Monsanto. Li accepter qu'on y a que bah ça ou bah cancer. Yo fait le sou rat, yo fait le bien vidéo rien tout. Monsanto comme ça Monsanto. Alors ça ou allou bon chapitre là. Mm-hmm. Comme ça Monsanto fait. Mm-hmm. Yo fait compagnie Monsanto a connait tellement que gen procès pour le faire contre lui parce que yo pas gen 20 ans depuis yo a commencé mettre bah ça au dehors. Mm-hmm. Conséquence yo prend temps pour yo venir. Mm-hmm. Mais qu'on y a yo dit monsieur il dispatcher compagnie aux gens que il est difficile pour faire procès avec Monsanto. Oui. Parce que ils font genre pour que compagnie en vienne pratiquement réduit à rien, mm-hmm. pendant que tout a fait la marche. Ça fait la marche. Donc
c'est un autre poison. Et quand si nous prenons un dit quelques conseils simples. Ou quand tu as dit quand ça qui gagne dans aliment et génétiquement modifié, il y a goût dans bouche. Alors là c'est comme genre, si li, li... C'est même gens mon apprend en série de bail tant que ça aurait comment aurait les bail Maggi. Bon, oui. Oui, bon, ou bien n'importe quoi. Mais cube. Cube, OK. Parce que Maggi a son marque. Son marque, OK. Cube, yo. Mm-hmm. M'tade gen moun ki pa ka manje sans yo. Bon, m'pa konnen parce que... Pour m'pa comprendre bay ça. Ça fait si... m'pa ka di m'pa manje parce que m'gen doit paret la kayou. Un exemple, dis kon ça. Yeah. M'a manje m'pa konn sa k nan manje ya. Bon, comme m'pa manje en pile la kayou moun non plus. Parce que m'pa mal masse m'gen assez courage pour m'di moun non merci et que m'pa manje. Ouais. Donc ça veut dire bon t'es grand ou non dit non merci. Yeah. Vous comprenez moi. Donc on y allait pour aller en fait manger. Ouais. Et puis mal en fait là. Ouais. Donc là ça me pas même pas même. Ouais. Donc l'idée un manger naturellement. L'idée est bon même si vous t'es planter quelque bagaille dans fait un petit jardin dans la pour la caillou. On peut go gagner moi même. Mais un petit jardin côté où planter quelque bagaille qu'on ca manger et qu'on sûr que c'est manger organique lié. Ça tout, très difficile. Très difficile mais li li bon pour moun commencer penser à li ouais. Parce que li crucial que nous rapatrier vente nous pas la guerre vente nous et tout ça parce que nous qui sommes d'expérience moi que m'a PC FL terre pas bon ni me comprendre ouais li difficile même connaît que gen pays là on prend par exemple tant que Cuba et dans une période moi dans les années 90 après la chute du mur de Berlin il était l'État est impliqué dans ça. Il y a des gens qui font jardin. Et je connais une organisation sous place en Haïti qui a fait des gens qui font jardin la caille. Donc ça, non, c'est, mais est-ce que Edel sans des plantes génétiquement modifiées? Oh, bien sûr. Ils montrent comment pour faire compost ou préparer propre compost ou avec déchets. Côté à bas information ça. On m'a bon en contact m'a appelé by Lille. Non, OK. bon en contact au carré et puis ou besoin quelques conseils sur ça. Il montre comment ou faire compost et puis avec compost là, ou fertiliser sol la caille. Oui. Et c'est avec même fatra que ou va utiliser yo que ou même ou va faire ça. Oui. Donc l'on prévention cancer, si ou va faire effort pour manger naturel et qu'on y a gain trois gros groupes manger. Et ça, c'est une chose que nous avons déjà discuté dans l'émission passée, mais sinon, on a pris le focus sur les jours. Qui sont trois groupes d'aliments que nous avons? Les glucides, ça veut dire toutes les farines qui décomposent pour les sucres. Après ça, on a les protéines, c'est les aliments constructeurs qui ont viande, lait, etc. Comme ça. Et puis après ça, on a les gras, les graisses. Les lipides. Qui mange aujourd'hui pour manger moins? Les graisses là. Ces graisses là. Yo do manger plus farine. Après ça manger protéines et puis plus petit graisse. D'ailleurs, nous fait tête nous on bail d'honneur pour nous dire oh moi-même bien manger, ben manger en pile graisse. Depuis que dans monde dit ça, me dit monde ça information gain dépassé. Non mais c'est pas faute lui tout, non. Et pas on pas dit c'est faute lui du tout. En fait, il y a toute une campagne qui fait depuis les années 50 pour discréditer graisse et puis mettre toute graisse dans même panier. Toute graisse, toute graisse c'est graisse, mais toute graisse pas même. Alors qu'on y a été me dit, bah écoutez, choqué, mais pas si le cas choqué un peu le monde. Y en a premier élément en prévention cancer. C'est apprendre, réapprendre corps pour le bouler graisse comme source d'énergie. Parce que pas gagne une cellule cancéreuse qui est capable de bouler graisse comme source d'énergie. Alors que toute cellule qui pas cancéreuse, à l'exception de globule rouge, je crois avec ça. Boule graisse comme source d'énergie. Docteur, n'a pas proposé ça, n'a pas tourné pour développer ça parce que c'est très important parce que mon yo toujours fait éloge que yo pas manger graisse. On yo va le développer pour mon yo. C'est pas graisse là qui problème là. Et puis c'est sucre là. Donc n'a pas proposé ça, n'a pas tourné. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Kalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Dans le centre à l'école cosmétologie, et stage pratique dans le pays à tant aux États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie, passé jeudi à même dans Delma 31,
Rijac 1er à côté la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centrac à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chevin se fiatin, si nous avons un bel cheveux bien fourni, mandez produit Centrac à yo. Gamme produit Centrac à yo, bon pour cheveux naturel tant que cheveux permanent. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonnés, yo pa prennent en permanent, bote tout calé, yo pa bel, yo fè chit, yo pa fourni, yo gen cap. Exigez produit Centrac à yo dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui forme servi à produit Centrac à. Relais Centrac à dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centrac à pour une chevelure à fière allure. Cheveux ap cassé ou gen chine ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté. C'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sous bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 p.m. Relais Centrac à 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté, pour être belle et en santé. Nous tournons après pause là, pas oublier ou suivre émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission est disponible sur YouTube, sans nique taper émission Bien-être et Beauté. Ou a joindre en pile émission qui passe déjà, ou a joindre sujet qui intéresse ou a joindre l'autre tout pour faire zanmon garder concernant qui problème que gagne exactement. Émission Bien-être et Beauté sont émissions qui sont supportées par Centrac à centre de traitement capillaire. Quel que soit problème cheveux gain, quel que soit problème cuir cheveux gain, même sous fille, même sous garçon, même sous timoun, son seul référence. D'ailleurs, pas gain de clinique pour cheveux en Haïti, c'est Centrac à l'unique côté qui gain yon trichologie certifiée par plus grande instance dans le monde là, USTI, qui c'est Institut américain de trichologie. Donc 18 ans d'expérience, connaissance plus expérience, nous est salbay. Donc réussite. Pas gaspiller l'argent passé par là, vin dans Centrac à pour résoudre problème cheveux ou besoin d'une formation de standard international, c'est venir dans Centrac à dans espace qui adapté à la formation, salle spacieuse, climatisée, wifi disponible pour tout le monde pour faire recherche. Donc science là pas avancer, nous même n'a avancé ensemble avec science. Nous gain séminaire que nous programmé même sous pas dans cosmétologie, tu as besoin qu'on fait maquillage 29 mars n'a pas nous toute une journée de formation, nourriture, certificat pratique. Venez dans Centrac à pour venir apprendre faire maquillage 29 mars et puis sous ta vle apprendre cosmétologie parti kon goutte j'aime de kadian ou apprend yo par ça ou remen et puis ou al pratiquer les pour faire comme égal profession manière légal à bas la misère. Jodi a une émission Bien-être et Beauté, n'a parlé avec docteur Jean-Baptiste qui c'est un habitué dans émission Bien-être et Beauté et gen l'autre émission qu'elle fait sous ta besoin regarder yo c'est aller dans sur YouTube, tapez émission Bien-être et Beauté ou joindre sujet qu'elle développait déjà qui a aidé nous joindre bien-être. Jodi a parlé de cancer, nous parlé de qui s'allier, on a nous en prévention. Dans la deuxième partie, on a parlé de prévention de nous te prend alimentation et c'est pas graisse qui problème, non, c'est sucre. C'est pas vrai docteur Jean-Baptiste? C'est exact. Et nous prend trop sucre. Jean corps nous fait cellules nous yo gain capacité pour yo vous faites avec capacité pour vous bouler graisse comme énergie et bouler sucre comme énergie. Donc ça veut dire que vous faites va-et-vient sans problème. C'est ça, vous avez une sorte de flexibilité métabolique. Et par exemple, si vous faites un jeûne, mais pendant une période de jeûne, vous ne pouvez pas porter sucre, mais le ça, quand vous avez temps pour aller chercher graisse pour le bouler. Donc, mais qu'on y a quoi nous perd du capacité ça parce que c'est sucre seulement nous manger. Dans trois groupes aliments que j'ai mentionné tout à l'heure, gen yon qui vraiment fait prévention cancer là, c'est sacré les graisses là. Donc ou ta... Et qui graisse alors? Parce que je dis gen bon graisse, gen mauvais graisse. Gen bon graisse, gen mauvais graisse. Tu me dis un petit mot sur sucre là. Cancer yo utiliser sucre là facile. Dans protéines gen yon acide aminé que les glutamine
que cellules cancéreuses qui boulent tout comme source d'énergie. Donc ça veut dire plus moins sous bail élément ça yo plus ou créer compétition pour petit casse gagner avec toutes cellules qui gagnent encore et bien automatiquement on met ces cellules cancéreuses dans sous pression. Donc c'est ça fait que yon premier bail ou ka fait pour diminuer risque cancer c'est manger plus graisse. Manger plus bon graisse. Bon graisse, sort les bon graisse parce que c'est ça mon besoin. En fait, yo critiquer en pile les graisses animales. Oui. Et c'est vrai, si on mange trop graisse animale et surtout si on prend ensemble avec farine parce que c'est là c'est là où mariage, même, c'est là mariage ça lui-même, yo dit c'est lui-même qui pire terrible, c'est lui-même qui mène plus facilement au diabète, on dit que exactement ça nous prend. On tonne manger vieille viande modifiée. Et puis, si on mange une viande locale, avec des cabrites, des kifettes, des poules, ce n'est pas même genre avec ça ou acheter dans la situation. Je ne connais pas. Donc, vous achetez dans le commerce. Qui sont bois qui produit à l'échelle industrielle, c'est deux choses différentes. Mais si on prend ensemble avec farine, là, pas bon. Mais si par exemple, on prend viande, même si c'est une viande rouge, ou pas prendre l'empile en pile, parce qu'on pas besoin en pile. Ouais. Et puis on prend l'ensemble avec un pile salade et un pile graisse, un pile bon graisse. Par exemple, coup, l'huile cocoyer, l'huile zaboka. Pas vraiment fanatique et pour d'autres raisons. Et pistache avec noix d'acajou. Et il y a quelques. Mais malgré tout, il y a de loin plus bon que toute vieille huile qui est dans le commerce. Ça veut dire, quel que soit le nom prend. Ouais. Y a même c'est des huiles végétales raffinées. Et y a même, c'est ça, il y a les oméga 6. Et il y a causé inflammation. Et toute situation cause inflammation capable de favoriser le développement de cellules cancéreuses. Donc, difficile, joignez au monde qui caille d'eau et puis ça bon, juste bon petit information ou même au cas chercher le sous-net là. Bon. Fayon gens pour qu'on développe ça y aurait les lacayos, yon cétose nutritionnelle. Ça veut dire. Ça veut dire ou habituer corps pour les brûler les corps cétogènes comme source d'énergie. Bon, c'est gros causé. Est-ce que c'est de ça qu'on va parler dans ce séminaire là? Oui, nous obligés de parler de ça. Et ça, c'est nous allons expliquer, mon yo. Et montrer ou comment pour que vous mangez yon jan. Bon, t'es bon, yon ba encore que d'où qui produit cancer. Dans cigarette, là, vous connaissez cigarette produit en pile sacré radicaux libres. Mais lorsque vous les sucres comme énergie, et lorsque vous les graisses, vous produit 30% moins radicaux libres. Donc, automatiquement, vous avez besoin moins antioxydants. Et si vous avez besoin moins antioxydants, ou ap vin pi belle, ou ap vin pi semble pi jeune. Et quand pile moun la yo commence son traitement la caille, moi après quelques mois, visiblement, moun ap mandel sa ou fait. Donc, et moun ki mange comme ça, yo ou pa ka kwè l'âge yo. Ok. Donc, li crucial pour que ou fon jan pour réduire radicaux libres, réduire oxydation. Et comment on fait ça? Yon nan premier bagay ou fait, ou manger beaucoup plus de graisse. Que de l'aime dit beaucoup plus de graisse ou pas même besoin pile pour qui ça parce que graisse l'en gagne deux fois plus calories gramme par gramme que glucose. On l'autre bail encore qu'à faire pour réduire risque cancer c'est manger moins. Oh nous manger trop. Non mais c'est pas parce que nous parce que une fois expérience avec balance jambe comme si le monde commence son traitement la caillou on n'a pas qu'à manger. L'eau sous tisane n'ont pas grand goût. Ah bon? Oui, ou pas grand goût. Donc, pas qu'on ait l'eau fait des détoxication, hein, ou sans tout léger, pas grand goût. Ça veut dire que l'impression c'est manger, mon Dieu, manger. En fait, nous mangeons trop et nous mangeons trop souvent. Ok. Combien de fois vous mangez là? Alors là, ça, c'est une belle question. Soit là, en littérature, là, je vous dis que c'est pour prendre 5 à 6 petits repas par jour. Il y a un bon côté là-dedans peut-être, mais il y a un mauvais côté le tout. C'est que il mettait corps tout le temps sous pression manger. Approche que moi-même m'adopter, c'est que manger le moins possible, le moins souvent possible. Non, il y a des gens qui mangent deux traits, il y a des gens qui mangent en petite quantité. Même si vous mangez même quantité manger, et vous étalez quantité manger que vous mangez à sous 12 heures de temps. Il fait plus de dégâts encore que si vous mangez même quantité manger. D'un trait. Et pour manger à l'intérieur d'un intervalle plus réduit
d'environ 8 heures de temps, par exemple. Okay. Et c'est ça, vous attendez, vous parlez en pile qu'on y a du jeûne. Et vous parlez de jeûne intermittent. Lorsque fait jeûne intermittent, ça veut dire, au fond, genre, ou manger à l'intérieur d'une fourchette réduite. Tant qu'au 6 heures de temps dans la journée, tant qu'au 8 heures de temps dans la journée. Et là, ça, ou cassez ou est-ce que vous passez dans le corps. Ou par exemple, vous pouvez être à l'aise pour manger, pour prendre déjeuner ou à midi. Ou pouvez être à l'aise pour que vous preniez déjeuner vers 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Ou pas à l'aise tout pour passer son journée sans qu'on pas manger. Et c'est là que ça a encore une opportunité pour les réparer, pour le détoxifier. Pratiquement, où est miracle fait dans le corps. 1, 2, 3, prévention contre cancer, c'est qui ça? 1, 2, 3, premièrement, c'est manger sainement. Manger en ratio, en quantité de protéines qui pitient, qui est adéquate pour l'âge, en quantité farine qui pitient et une quantité de graisse qui satisfait besoin. Bon graisse qui satisfait besoin. Deuxièmement, réduit quantité manger ou manger. Manger moins. Donc, ou gain qualité pour prendre soin, mais faut réduire quantité à tout. Nous manger trop. Manger moins souvent. Manger moins souvent. Mais ça que belle, ça me dit là, c'est pas seulement cancer, il y a des n'importe qui maladie qu'on gagne. Si on gagne diabète, on doit saisir ou est sucre la contrôler. Ou gagne tension matin, on patient, un avocat, et qui. Monsieur dit, mais je n'ai pas besoin, attention, je ne monte plus que 13 par 9, alors qu'avant, tu es obligé de prendre un médicament, et qu'on y a, et ceci, comme si, parce que tout simplement, vous mettez le corps dans une meilleure façon pour le fonctionner. Nous manger trop, mais il y a un gros marketing qui fait, et parce que je n'ai pas besoin de science pour lui. Si on a besoin de science, on doit partager la même. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Il y a plein de dit ça, il y a écrit. Il y a écrit. Mais qu'on y a, dis pour qui. Mais qui explication que je gagne moi-même? C'est parce que vous faites un grand temps de jeûne. Par exemple, si vous dormez à 10 heures, ou à manger à 6 heures, ou bien 7 heures. Juste garder combien de temps de repos, de jeûne que vous avez fait. Et pas fait rien là? Non, mais qui explique? Il y a une explication que je connais. L'idée, c'est que vous avez besoin d'un corps à temps pour le jeûner. C'est dans le jeûne que le réparer. Lorsque vous mettez pression manger sous lit tout le temps, il n'y a pas de temps pour le réparer, pour le détoxifier. La meilleure détoxication qu'on a fait, c'est le jeûne. Eh bien, bon. Laisse ça surprendre. De l'eau seulement? De l'eau. Eh bien, OK. On a le jeûne. On a le jeûne. Bah, il y a toujours pour DM là, quand même. Vous entendez? Avec dit, tu es toujours dans le jeûne. En fait, on toujours oublié manger. C'est un monde qui toujours oublié manger. On toujours oublié manger. On a dit si on fait des choses pour lui. Et pour oublier, dit c'était moi je pas oublier, pas gagne monde là caï moi depuis l'aime t'es jeune jusqu'on y a cap dire ça parce que me toujours oublier manger. Gain monde manger pas tel pas jamais grand pile importance pour yo. Avez-y manger tout le temps. Ouais. Well, moi même bon émission sans série fait dans tête, ça fait me te font petit résumé sur prévention yo. Tout à fait. Docteur Dieudonné au grand activité, au grand conférence sur le cancer, c'est qui date, qui côté? C'est dans hôtel El Rancho. C'est dimanche 25 mars. Et là, moi-même qui a présenté, Dr. Belline Jean-Louis qui a présenté, mais le plus important, moi et ma Dr. Belline Jean-Louis, nous jeunes dans la profession. Et par exemple, mon grand invité, c'est Dr. Professeur Jean-Claude Maïn, son naturopathe agréé au Canada. Je me suis dit, je vais compter combien de gens m'ont renversé le diabète moi-même. Et puis, je me suis dit, professeur Maïn qui a parlé, il dit, bon, moi-même, je suis une centaine de monde qui étaient sous médicaments diabète et puis qui ne prennent pas de médicaments ça encore. Ça veut dire, vous comprenez. Non, ça veut dire, me faire commencer. Oui. Mais non seulement ça, c'est monde tout qui gagne en pile expérience dans la prise en charge intégrée du cancer. Ça veut dire pendant que vous faites méthode conventionnelle yo toujours mais yo voit que là ou ajuster là avec les meilleures connaissances de l'heure et qu'on y a moun yo gagne de meilleures options. Or c'est ça nous pour le partager avec moun yo. Nous pas dit que l'autre yo pas bon mais cependant gagne l'autre connaissance aujourd'hui et me pas croire que et me gagne un témoignage son monde li comme te wè hier li di m la pla la pla et c'est un monde qui son monde que yo te voyé mourir la caille pour cancer et nous changer gens le manger et waouh après environ quelques mois li retourner l'église alors que son monde c'est viré ou t'as viré et ça c'est pendant on a dit ça première émission que me fait ici sous contexte émission même
on t'a parlé des facteurs du bien-être. Il y en a là-dedans qui c'est premier et on dit le plus important c'est l'alimentation. L'alimentation. L'hydrater, rester demeure le facteur le plus important, le plus déterminant de la santé. Bon, ouais. Qui dit la santé et du bien-être? Tout à fait. Parce qu'on pas parler de santé sans pas parler de bien-être. Mm-hmm. Ou pas parler de l'activité, hein, docteur, ou dit c'est... On a commencé de midi et n'a fin... à midi et n'a fini jusqu'à 6 heures. Mais bon, l'autre bail nan, mm-hmm. nan, qui est intéressant. Mm-hmm. C'est un 25 mars que nous avons créé PHI aux États-Unis. Oh, c'est... oh, ok. Ça fait nous combien d'années là? Ça fait nous 5 ans. Ok, 5 ans. Et nous avons quelques amis, moi, je n'ai pas vraiment de temps pour participer, mais nous avons une surprise dans le cadre de commémoration 5e mm-hmm. anniversaire PHI. Grand merci, docteur Dieudonné. Si nous moi-même qui remercie, oui, chaque homme qui a l'opportunité à connaître comme disponible. D'accord. Avant nous aller, nous avons rappelé un petit conseil beauté, ou même qui a un pot sec, c'est prendre une crème hydratante. Pas mettre maquillage, mettre une crème hydratante, sceller avec de l'eau, donc passer chez Figounet ou bien peau, parce qu'il faut hydrater peau, parce que ça, c'est une prévention contre le dessèchement de la peau. Et nous connaissons que nous avons un climat tropical qui a une pile poussière, une pile chaleur, une pile soleil, qui est capable de nous vraiment problème, ou même qui déjà a une peau sèche. Crème hydratante, et puis sceller avec de l'eau, faire ça chaque jour, et pour voir que. Pour venir en l'autre gens. Ou capable de faire de façon naturelle, ou capable d'utiliser l'huile à main douce, ou bien l'huile avocat qui pas coûte trop cher pour aller chercher crème dans le commerce, qui capable même gagner des autres conséquences sur peau. Donc, c'était conseil beauté que nous avons porté pour vous dans l'émission Bien-être et Beauté. Je suis téléspectatrice, ça que je suis très satisfait. Donc, nous venir à conseil beauté pour vous à chaque fois qu'on y a, parce que c'est pour nous notre travail. C'était avec nous Léonie Desroses, infirmière trichologiste, qui a dit qu'elle remet nous en pile. Li ba nou rendez-vous pour la semaine prochaine pour une plus belle émission. Bye bye. Cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission Bien-être et Beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement genyen sur bien-être moun. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission Bien-être et Beauté. C'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7 h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.